Alors, Fernando fait l'éloge d'Adrian Newey, une légende du sport. Je me souviens que lorsqu'il a publié un livre il y a quelques années en Espagne, j'ai eu le privilège de faire la première page. Le prologue, pour moi, c'est tout simplement une personne incroyable. Même si on n'a jamais travaillé ensemble, je suis heureux de vivre et de conduire cette époque. Qu'Adrian Newey ne fasse que construire des voitures de Formule 1. Il espère que cette éventuelle collaboration se concrétisera un jour. J'aimerais un jour travailler avec lui, lorsqu'on lui rappelle que le Britannique a ravi des championnats à l'Espagnol à Alonso Plaisante. Newey est responsable du fait que 19 pilotes sur 2 décennies n'ont pas gagné de championnat. Ouais. Alors, il espère travailler avec lui, mais ça me paraît improbable, hein. De toute façon, il bougera pas de Red Bull et Alonso va pas aller chez Red Bull. Ils voudront pas de lui, donc. Ils savent très bien que ça pourrait très mal se passer avec Alonso et Verstappen dans la même équipe, vu le caractère de l'Espagnol. Ils sont pas dupes chez Red Bull. Ils l'amèneront jamais, même si les fans voudraient voir ça, évidemment. Mais ça n'arrivera pas, du coup. Alors peut-être en endurance ou ailleurs, je sais pas, mais ça paraît très peu probable qu'il travaille un jour avec, hein. Qu'en pensez-vous?